après Crazy Craft, cette vidéo consistera à vous présenter les objectifs qu'on a trouvés pour cette saison 3. Je suis avec la 64. Salut. Qui s'amuse. Ouais, je place un feu de camp. Donc déjà, premier objectif, très classique, tuer le Nether Dragon. Deuxième objectif, tuer le Wither. Très compliqué. Je te survivrai, c'est survivant. Troisième objectif, faire un château. Un château de l'obligé. Faire un château, on met pas des petits blocs. On fait quoi comme limite de château? I don't 50, know. 50 sur 50. Ouais, vas-y. Bon, on avisera. Alors, quatrième objectif, ça c'est moi qui l'ai trouvé, enfin je les ai pratiquement tous trouvés. Faire un pont au-dessus d'une faille. Est-ce qu'on rajoute sans mourir? Non. Non, Non. ça change rien, de toute façon. Ouais. Je vois pas où. Cinquième objectif, faire un élevage. Ouh, c'est dur ça. Qui sera donc dans le château. Hein, c'est ça? Oui. Oui, sûrement. Sixième, faire des plantations automatiques. Avec de la Oui. redstone. C'est pas compliqué, Et c'est après pas. on met des hoppers qui atterriront dans des coffres. C'est vraiment automatique. Septième. T'as marqué quoi? Ah oui, faire une forteresse dans l'End. Donc qui ne Genre, soit. t'arrives pas à me relire. Ah oui, j'arrive pas, j'ai pas réussi à lire End. Ah, Tu t'amuses? Oui. Alors, huitième objectif. Bah, je dois rendre 80. Parce que toi, tes points, ils ressemblent à des zéros. Oui, c'est parce que je fais des points en rond. Faire une salle de potions avec classe. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis le mode bibliocraft, donc on peut mettre les potions dedans, tout ça. Donc, à la fin de l'épisode, je dirai tous les modes qu'on a mis. Neuvième. Faire une forteresse dans le Nether. Ouais, on dit 100 cobbles. On verra, hein. Dixième. Faire une armurerie qui sera dans le château. Ouais. Parce que je crois que c'est encore Bibliocraft qui permet de faire des tout pour Des mettre des portes armures. armures, Ouais. ouais. Je vais le montrer là, hein. Onzième. Bon, ça c'est un peu déjà fait. Aménager l'intérieur du château. Donc Viens ça. voir le porte-armure. T'es où? À côté du grand feu de camp. Voilà, porte-armure, génial, classique. Ça a trouvé la classe. Par contre, tu vas mettre des PA à la main. Non, malheureusement non, parce qu'il n'y a pas de truc. Pas C'est un grave. porte-armure, hein. Ok. Douzième objectif. Avoir un stuff de diam full enchant. Pas forcément level 30, hein. Bah full enchant si level 30. Ah, si tu veux. Oui, je veux. 13e. Non, c'est là, on peut pas parce que le mode ne marche pas. Donc 13e. Faire un restaurant. Dans le château aussi. Ouais. Voilà, pour l'armurerie. Je tourne la feuille. Ah ouais, il y a tout ça comme objectif. Ok. Ah oui, on en a mis beaucoup. Alors celui-là on peut pas parce que le mode food d'aliments il est enlevé. Ah oui. Ça je pense que ce sera au premier épisode. Faire une soirée au bord du feu. Donc ce sera avec un feu de camp qui se trouve. T'as détruit mon feu de camp? Non, il y en a un là-bas, à Ok. côté des vitrines. Donc ce sera comme ça. On sera ici, on devrait survivre. C'est génial. Ok. Yellow Soyette. On garde l'objectif de 10, 16. C'est quoi? Faire une arène et se fight. Si Wow. au bout d'un moment on se fait chier, oui. Facultatif. Voilà, regarde. On fera ça un moment. Alors. C'est bien. C'est cool, c'est la classe. Ouais. Ok. Aouh! Je connais. 17e.
faire une écurie avec. Ah non, on peut pas. Parce qu'il n'y a pas de chevaux. Nous sommes Non, pas on peut en pas. 1.6. On n'a pas mon créature parce que ça m'énerve. Moi Ça je l'aime fait pas un trop. peu trop laguer. Ouais, moi je l'aime pas. Déjà, on a 14 wads à peu près. Merde. LOL, zombie creeper. Alors. 18e. Faire un puits. Le puits de dôme. Ok. 19e. Amener des PNJ dans le château pour faire une espèce de petit village. Alors, celui-là, on peut pas. Celui-là, on peut pas. Donc, 20e, c'est ça? Ouais. Faire une tour à mob. 21e. Ah ouais, donc celui-là sera très facile. Faire une course de chaque avec chaque animal. Il y aura que le cochon. Ouais, bah faire une course de cochon quoi. Ouais. 23e, faire une piscine. Et Ouais. 24e, qui sera le dernier, sera le plus compliqué. Faire des gages ou une blague à chaque fois qu'on meurt. Ou ça va nous casser les couilles Ah rapidement. ouais. C'est qui a trouvé cet objectif déjà? C'est moi. Ouais. Toi tu fais les objectifs les plus sadiques. Et moi aussi un peu. Donc je vais chercher mon. Ok. Je vais chercher mon dossier avec les mods, donc je mets ça sur pause. Parce que je ne connais pas les mods que j'ai par cœur. Donc, comme mode, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est pas un mode, c'est un core mode. Donc j'ai Damage Indicator qui permet On aurait pu faire un labyrinthe. Oula. Damage Indicator. J'ai C'est pour les armures, je crois, c'est ça? Damage des... Indicator. Ouais, pour les armures et... Donc je prends une armure. Voilà. Waouh, j'ai eu un gros lag. Ah bah ça s'affiche en bas, bon c'est pas grave. Moi oh, j'ai deux casques, c'est génial. Pantalon. Voilà. Donc damage indicator c'est le truc qu'il y a en bas à gauche. Donc il y a un fichier de dégâts de l'armure, des objets, tout ça. Putain, j'ai un gros lag. Regarde pour le briquet. Prochain. Alors attendez. Oula, putain, 0 FPS et tout. Bah, je suis obligé de mettre le jeu sur. Bah, je vais mettre le. Voilà. Peut-être que le rendu pendant la vidéo ça va changer un peu. Donc deuxième mode. Statue effect. Donc c'est quand on boit une potion. Ça affiche combien de temps il reste. Pas dans l'inventaire, en Voilà. dehors. Voilà, en dehors. Donc en haut à gauche. Wow. Après. Tree Capitator. Alors on prend une hache. J'espère que t'as pas cramé tous les arbres. Faut les trouver après. Putain. Oh putain, j'ai des gros lags. Donc par Putain, contre. Ah. quoi? T'as quoi comme gros lag? Ah, j'ai image par seconde. Donc regardez par exemple. Hop là, à plus d'armes. Donc c'est un peu mode pour le bûcheron. Hop là. A pu. Prochain mode. Fourniture mode. Je crois que c'est celui qui rajoute toutes les chaises, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, un truc de déco d'intérieur. Regardez, ça c'est bien. Je mets une table, une chaise, d'accord, ça m'a mis. Une chaise, ok. Et je m'assois dessus. Et là on se met un gâteau. Prochain mode. Putain. Backpack. Ce qui rajoute les sacs à dos qui sont là. Donc on prend là et on l'ouvre. Hop là, un argenté en plus. Ouais, c'est vachement pratique. Et il y a un sac à dos, apparemment, c'est Big Workbench. Ouais, je le vois. Ah ouais. Ouais, mais bon, toute une table de craft, ça marche aussi. Oui, mais là, si tu pars en voyage, tu vois, t'as table de craft intégrée.
Ouais, tu peux me tuer ça. Oui, Bon, mais ça t'as la... c'est... T'as la table craft intégrée. Bah si tu prends une table de craft, ça fait pareil. Oui, mais la table de craft, t'es obligé de la poser. Ah ouais. Ah ouais. Tu comprends l'intérêt? Oui. Tu vois, tu t'en prends un petit de sac à dos workbench, où t'as juste la table de craft, et tu te prends un gros sac à dos à côté. Prochain mode, bibliocraft, donc c'est ce qu'on vous avait parlé, donc c'est tout ça, proposer les armures, tout ça, tout ça, tout ça. Tiens, regardez, je mets des lunettes. Et voilà, je suis avec des lunettes. Ou pas. Oui, ou pas, parce que j'ai mon armure. Voilà, yeah, la classe, Ah, swag. YOLO soit hit. C'est ça. Swag, swag. Ouais, Après. moi ça va pas avec mon skin. Pas moi non plus, mais ça va. Ouais, mais moi Après. c'est décalé par rapport aux yeux. J'ai le mode Campfire mode. Donc pour faire le feu de camp. Logique. Donc le feu de camp qui a disparu, tu as détruit. Lequel? Celui que tu as mis au-dessus de ton lac de glace. Donc oui, tu as détruit. Après, mot zombie. Donc qui rajoute des zombies. Comme cet abruti ici. Enfin, c'est pas trop un zombie, c'est un champignon. C'est un survivant. Donc où est-ce qu'on pourrait... Tu sais que les zombies rois ils crament pas au soleil? Ouais, peut-être si tu le dis. Bah oui, je le dis. Donc, on va prendre un œuf de zombies moche. Voilà. Disco zombie. Voilà. Il y a plein de zombies comme ça, c'est marrant. Dernier mode, More Bows. Donc, un mode qui rajoute des arcs. Donc, je vais vous les montrer. Donc, je prends ça, celui-là, 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 celui-là. Je ne prends pas celui-là parce qu'il fait crasher le serveur. Et celui-là. Par exemple, Crossbow, ça jette quoi? Des trucs de glace ou je sais pas quoi. Ouais, ça jette des trucs qui gèlent les ennemis. Je dis pas de conneries. Ok, après renforcé de bow, donc un arc renforcé. Voilà, one shot. One shot, Et one. les gia ou je sais pas quoi. Les Jabaou. Voilà, c'est un arc qui tire deux flèches en même temps. Après, Iron Bow, donc l'arc en fer. Qui est un peu plus puissant et un peu plus résistant que l'arc de base. L'arc en or. Donc voilà, ça fait à peu près les mêmes dégâts. Mais sauf que l'arc en or, il charge vachement vite. Ouais, une milliseconde. 0,5 secondes. De lag. Non, il tire plus vite. Blazing Bow, donc je pense que c'est un arc qui brûle. Ouais. Tout à fait. Et Crystal Bow. Un là, tu 34. Est-ce que tu as vu ma flèche passer devant toi? Ouais, j'ai les lags, ça y est, ça reprend. Peut-être parce que je filme. Non, parce que tout à l'heure, ça marchait pas. Mais c'est quand t'as commencé à regarder les mods. Ah oui, peut-être. Là, si je ferme le dossier, ça va. Ah, attends. Là, je te vois devant moi avec tes lunettes, YOLO soit git. Oh, je suis parti. Ah ben là, je te vois devant moi avec tes lunettes, YOLO soit git. De toute façon, c'est tout pour cette vidéo. On vous a présenté tous les modes. Donc, cette saison 3, ce sera la dernière de Crazy Craft.
Après, on aura peut-être d'autres concepts. Cette saison 3 sera faite avec Clash 64. Whoop Dao, que vous avez pu voir au courant de la saison 2. S'il vient. Où il va venir. Qui va peut-être avoir son propre point de vue aussi. Et moi, donc on sera à 3. Non, toi par contre tu viens pas, tu restes là, tu nous laisses le serveur et puis c'est tout. Ok, je fais caméraman. Oh, ce sera un projet, hein, tu fais caméraman. Ouais, avec Arthur, enfin Whoop Da Whoop. Vous faites un truc en hardcore et moi je vous filme dessus. Ouais, tu nous donnes des blocs de diams. Non. Non. Ce serait marrant ça. Oui, c'est un concept. Ouais, on a nos prochains concepts. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye.